Salut à tous, c'est Macron Yarminou, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Pokémon Éclat Pourpre. Alors si vous vous souvenez du dernier épisode, je me suis fait exploser à l'arène, mais c'était vraiment une honte intersidérale, je crois même deux fois. J'y avais été un petit peu à l'arrache, j'en ai profité pour EP un petit peu mes Pokémon, donc je voulais montrer vite fait quand même. Donc j'ai fait évoluer mon Mercury, mon Nidoran en Nidorina. Dans les commentaires, vous m'avez fait penser à un truc que j'avais oublié, c'est que ce Pokémon apprend double pied. Double pied, une attaque combat. Donc, la faiblesse des Pokémon de type roche et plante. Donc, c'est cool. Enfin, type roche. Donc, c'est hyper cool. En plus, il a évolué au niveau 16, je crois. Oui, au niveau 16. Donc, c'est un petit peu... Je vais un peu jouer tout là-dessus pour l'IA, en tout cas. Je ne sais pas du tout. Je me suis pas spoilé. J'ai pas été voir. Je ne sais pas quel Pokémon d'autre il aura, enfin elle aura, mais donc je vais jouer un peu ça là-dessus. Voilà, j'ai EP un petit peu, un petit peu tout le monde. Pas trop chuchmurer petit art parce qu'ils vont pas mettre de grande utilité dans cette arène. Donc bon, le Pikachu un tout petit peu parce que j'ai surtout pensé que il fallait qu'il gagne en vitesse pour essayer de paralyser. Parce que j'ai deux choix, soit je paralyse avec Pikachu, soit j'endors avec petit art. Voilà, mais petit art à mon avis. Allez, je vais quand même lancer petit art au début. Et après j'enchaînerai avec donc les doubles pieds de Mercury. Entre temps, j'ai aussi capturé, j'ai eu beaucoup de mal à capturer, il y a eu un Evoli qui s'est présenté. Et vu que je suis tombé deux fois dessus, je me suis dit que c'était un Pokémon assez rare. Donc je l'ai capturé. Puis, de toute façon, il me servira peut-être plus tard. Je l'ai appelé Fox, voilà, Fox, le renard. Moi je trouve qu'Evoli sort souvent un renard. Petit renard tout mimi. Donc je l'ai appelé Fox. Après, je ne sais pas en quoi je vais le faire évoluer. Je sais juste que j'ai galéré à le capturer. Genre, il lui restait 1 ou 2 PV. Il était endormi. Et je lui ai balancé au moins 5 ou 6 Pokéballs. Ça m'a niqué mon stock. Mais bon, hein, il faut ce qu'il faut. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais sauver. On sait jamais, hein. Si c'est un coup de chat. Enfin, si j'ai un mauvais coup de chat. Allez. Bon, on prie pour l'endormir. Oh, coup de cul. On va envoyer tout de suite Mercury en espérant qu'il se réveille pas. Ok. Bon, c'est pas encore ça, mais ça faille quand même. Hein. Alors, est-ce que je tiens? Ouais, je tiens. À l'aise. Bon, par contre, faudrait pas qu'il soigne de trop. Ah. C'était vraiment ma plus grande peur, on va dire. L'ombre. Alors l'ombre, c'est planté haut. Ouais, il est planté haut. Qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai pas grand-chose. Normalement, vol, ça devrait jouer quand même. Oh putain. Et je commence à être sec au niveau des potions. Essayer de le paralyser. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'est du viol sur Giga Censure. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, le nombre de tours va être très, très, très important. Combat, je pense pas que ça lui fasse grand chose, et griffe, c'est tout pourri, normal. Je vais spam le mimiqueux. Le problème, c'est que derrière, derrière, j'ai pas grand chose. J'ai pas envie de me queuter. Chuchemur, il va me servir à rien. Petit tard, il va me servir à rien. Ou alors, j'essaie de l'endormir. Au moins les bulldos ne feront rien, ça c'est sûr. Mais bon, la giga sensu, j'avais oublié la giga sensu. Qu'est-ce qu'il a comme attaque lui? Euh,
je vais l'envoyer lui, mais sans grande conviction. Aucune même conviction. Ça serait bien qu'il soit paralysé, s'il vous plaît. Paralysie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh putain, mais fait chier. Oh. Oh non, putain. S'il n'y avait pas eu cette vampigraine. Oh la vache. Et Icoria, cet enculé. Hein. Oh putain, c'est le brouhaha qui m'a sauvé. Merci Chuchumur, merci. Bon, Tropius il est plante seul. On va pas faire trop de chichi. Ah non, il est plante vol, je crois. Oh putain, bon. Ah, je suis content, j'ai quand même réussi à passer cette arène. Et c'était pas sans mal parce que j'ai quand même loupé deux fois. En reconnaissance de ta victoire, voici le badge Lys. Alors, est-ce que j'aurai une CT? C'est un badge officiel à la Ligue Pokémon. Les Pokémon de son détenteur deviennent plus puissants. La technique Flash peut être utilisée. Oh putain, les Flash. J'ai horreur de Flash. Prends ceci, c'est un cadeau de ma part. Qu'est-ce que c'est? Giga Sensu. Ouais, c'est con, Giga Sensu. Ok, génial. Wouh, bon, on a eu chaud, hein. Bon, de toute façon, dans le PC, j'avais rien d'exceptionnel pour remplacer cette équipe. On s'en est bien sorti. Ah. C'était riche en émotions, hein. Allez. On va mettre qui en premier? On va essayer de tabasser un petit peu. Bon, Néo, j'aimerais bien qu'il évolue, mais on va quand même plutôt se concentrer sur le Pikachu. Alors, est-ce que la prochaine arène va être de type eau ou est-ce qu'elle va être de type roche ou autre chose? Je sais pas du tout. On va aller voir le Robert. On t'a déjà vu. Je montre mon badge. Oh, je vois, t'as réussi à battre le champion. Je crois qu'un combat s'impose, c'est parti. Ok. Rival Robert. Il est classe, hein, son petit... Alors, j'ai aucune attaque psy. De toute façon, je sais même pas. Je crois que Dibugun est peut-être de type normal. Pas trop. Mon gars, je viens de niquer l'arène. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire contre moi. Ou si, tu veux peut-être me buter quand même. Tu peux quand même me buter un Pokémon, c'est déjà pas mal. Je veux que Néo évolue. J'ai pas vu qui c'est qu'il allait envoyer. Putain. Oh mais que la honte. Que la honte reste sur moi à toute ma vie. Oh là là, il est balèze en fait cet enflure. Darvenin, ça me plaît. Eh mais j'ai une... Je suis vraiment gogol, j'arrive pas à voir les Pokémon qu'il envoie. J'appuie trop vite. Je vais arrêter l'accélération. Bon, sauf pour là. Et c'est Flash. Merci mec, j'en ferai bon usage. Bon, et ben c'est pas encore Jojo, hein.
Grosse faute d'inattention et de concentration. Bon, l'essentiel c'est qu'on l'a niqué quand même. Allez. Vent argenté. Scout. J'ai réussi à capturer un Pokémon, on dirait une peluche. Tu veux la voir? C'est dur ça, ok. Oh putain, mais quel bitch je suis. Moi je veux juste le faire EP, moi, j'en ai marre. Oh, Miaouz. Tant que je suis pas trop loin du centre Pokémon, je vais. Hein. Yep, hop, hop. Ce serait un peu trop bête. Faire au singe. Allez, bats-moi, toi. Balignon. Gloopy! Alors, oui, toi, gros. Je n'ai pas coupe. Je n'ai pas coupe. Aide-moi à m'entraîner. Il faut que j'impressionne quelqu'un grâce à ma technique au combat. Allez, paralyse-le au moins. Allez, Miaouz, 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 double pied. Double pied des familles. Ok, alors qu'est-ce que c'est ici? Maison du dingue des capacités. Je suis le dingue des capacités. Je connais chaque capacité que les Pokémon peuvent apprendre. J'adore aussi les champignons. Ramène-moi deux petits champignons ou un gros champi. Si tu fais ça, j'apprendrai une capacité à un Pokémon. Si tu veux que j'enseigne une attaque, reviens avec un champignon. J'ai pas encore eu de champignon. Ok. Où c'est que je peux trouver des champignons? Capturant des paras peut-être? A savoir aussi que j'avais lu que les... Enfin j'avais lu, on m'avait dit dans le jeu, une petite fille je crois, que les mélos pouvaient tenir des pierres lunes. Donc moi comme un couillon, j'ai essayé d'en capturer, j'en ai capturé deux. Aucun avait une pierre lune. Je veux une pierre lune. Ah d'accord, ok, il est juste à côté. Ah mais il en faut deux. Qu'est-ce qu'il va me proposer? À qui je vais apprendre une capacité? Ça sent le champignon. Je sais que Pita. Ah, une attaque insecte, ça peut être sympa. Cool. Bon, j'ai une nouvelle attaque. C'est Bouen. Nestor. Putain, mais les noms, les pauvres. Pauvres gamins. Ah, mon Pikachu, il est mort, c'est vrai. J'avais oublié.
enfin les bruits. Allez, un petit hypnose, gros, qu'est-ce que tu me fais? Je l'emmène au sacrifice, hein, ça c'est sûr. Alors, Égypolis, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Bon, j'espère qu'il y a quelque chose parce que je ne bouge pas pour rien, moi, messieurs. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, il y a des pubs bizarres. Il y en a partout. Waouh. Ah, ça me fait penser à dans l'animé où c'est l'évolution des bulles bizarres. Ah, puis il y a Jesse James. Oh, excellent. Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à la nation. Alors, petite dédicace, enfin petit message à ceux qui ont créé ce jeu. Je vous aime. C'est trop excellent. Afin d'écraser l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie Lactée. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Oui, la guerre. Qui traites-tu de coup de morveux? En fait, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ouais, donc dans l'animé, c'était Florizarre qui faisait évoluer tous les bulles bizarres d'un coup. Et il y a deux bulles bizarres qui sont en train de se faire l'amour, là. Qu'est-ce qu'ils font? Tout à droite, là. Alors, mes Pokémon sont à moitié séchés, donc je vais peut-être un petit peu galérer. Ah, ils vont avoir quoi? Abos, Mogo. Ah oui, quand même. Oh, l'équipe de nulos. Ah non, mais sérieux. On va essayer une hypnose quand même sur la Beau, et puis on va un écrase-face sur le Smogo. Je savais pas que le brouhaha touchait les deux. Ah, je trouve que dans cette version de le jeu, l'intelligence artificielle soigne beaucoup les Pokémon. Plus que dans les autres versions, j'ai l'impression. Oh, ils ont sorti le Boostiflore et tout. L'autre, ça va être quoi avec sa langue? Eh ouais. Ah, j'adore. Je pensais pas que dans cette version, il mettrait des... Enfin, il ferait des allusions au film, en fait. Enfin, à l'animé. Oh putain, Brazero, il prend cher, là. Ah, Néo évolue. Allez. Une fois de plus, Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Des grands miracles. Mais j'aurais aimé que tu me files un... que tu me files un bulle bizarre. Oh,
Oh, je suis un peu dégoûté. Le champ de... Et dans les herbes, est-ce qu'il y aurait pas des petits bulles bizarres? Et ben voilà, en fait. Un mâle en plus, super. Par contre, j'ai très peu de... Très peu de Pokéball, ça va être chaud. Oh là là. Voilà, c'était juste histoire de faire coucou. Il pourrait enlever les changements de statut. La puissance des attaques plantes, d'accord, ok. Allez, s'il te plaît. Il rentrera pas de toute façon. Allez, c'est pas grave, on reviendra. Il y a une petite ville là. Mon dieu. Bon, la solution pourrait être de me laisser crever. Tais-toi, toi. J'ai une Pokéball là. On va aller acheter des Pokéballs. On va acheter des potions. Non, pas eux. Des antidotes, parce que apparemment. On en aura besoin. Allez-y. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément se laisser là. Ça sert à rien de retourner se perdre dans les herbes. Au moins, on partira d'un point connu. Dans le prochain épisode, on va s'occuper des bulles bizarres. Je vais me taper un bulle bizarre. J'en veux un. Je ne sais pas pourquoi je les fais soigner. Ils sont déjà propres. Je ne sais pas. Par qui je vais le enfin j'ai remplacé qui dans mon équipe. Ouais, je sais pas. Peut-être chuchemur. Sûrement chuchemur d'ailleurs. Ce qui m'a pas été d'une grande utilité, à part bon le son brouhaha dans l'arène. Bon, plus bizarre, c'est plus bizarre quand même. Ouais, on va faire ça. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma nullitude dans les commentaires. ce que vous avez pensé de mon coup de chat au niveau de l'arène. Et puis voilà, en fait, moi je vais simplement vous dire à la prochaine. Et puis je vais vous laisser là. Voilà, allez, portez-vous bien, musclé boubin, c'était Maconior Minou. Bye bye.